Chagos, laisse-moi commencer par féliciter toute l'équipe mauricienne qui finit mène à bien sa mission là. Quand nous finissons gagner quand même une majorité de pays dans le monde finit vote pour l'île Maurice. Moi, besoin de dire que le gouvernement finit mène sa résolution là avec le soutien unanime de l'opposition. Et moi, je suis content de remercier tout le pays qui finit vote en nos faveurs. Particulièrement un soutien massif de l'Afrique. Dans nos résolutions, cette fois-ci, nous ne parlons simplement de Chagos Archipelago. Et tout le temps, et c'est ça, nous ne prenons la peine de prendre une copie, une résolution, et qui nous passe dans différentes instances, nous finissons toujours mentionner Chagos Archipelago, including Diego Garcia. Donc, mon interpellation, mon inquiétude, mon un peu perplexe, qui fait. Pour résolution Nations Unies, nous finissons dévier de ce principe-là et nous ne parlons que de Chagos Archipelago. Donc, nous clair que Chagos Archipelago inclut Diego Garcia. Mais toujours dans le passé, nous y mettons les deux. Est-ce que c'est un erreur? Est-ce qu'il fait faire ça exprès pour une raison quiconque? Vous pensez que le gouvernement mauricien est bien capable d'expliquer qui fait finir sa bout, including Diego Garcia, résolution. Est-ce que ça casse un kick avec l'Amérique? Nous ne connaissons pas. Mais je pense qu'il y a un droit, un besoin d'éclaircissement de la part du gouvernement mauricien dessus. Concernant le jugement d'hier, les jugements d'hier, premièrement, on vient de dire que tout ça donne nous absolument, entièrement raison, qui nous oppose nous à une mainmise sur une prérogative du DPP. L'accession de Pravin Jagnauth au poste de Premier ministre fut effectivement prématurée, qui nous a aujourd'hui un Premier ministre, mais qui aussi surtout fait face à un procès devant le Privy Council sous l'attention pour dévier et qui n'est pas capable, pas sous les temps, l'eau un problème pays, qui est un problème majeur, et les Poubisins défendent sa liberté. Parce qu'il peut faire face à une possible condamnation, qu'il peut faire un an en prison. Bon, on connaît, nous ne pouvons pas avoir le Premier ministre tous les deux jours. Alors, nous avons souhaité, bien sûr, qu'il n'est pas là, mais bien sûr, nous capables, nous pas souhaiter qu'aujourd'hui, le Premier ministre, il a une caisse, la cour, mais en même temps, est-ce qu'il est réaliste ou demander step down, là, il n'est pas pour faire lui. Mais nous avons demandé. Regardez, nous fatiguer, nous faire demander tout le temps. Hein, nous, oui, avec certainement. Puisque nous nous mettons à faire en cours déjà nous-mêmes, c'est qu'il nous pas souhaité Pravin Jagnauth là. Donc maintenant, nous allons continuer à dire ok, ben, doublement, les besoins aller. Nous allons mettre comme ça. Maintenant, il paraît qu'il peut faire pour arriver ça. Donc, laissez-nous guider qui arrive. Certainement, PMSD pour de la partie. Nous regardons de quelle manière. Au niveau de Betamax, moi, j'ai raison et me maintenir. Maurice, tu peux payer moins cher avec le bateau Red Eagle qui peut payer en ce moment. Mon information, c'est que le chiffre de 24,85, c'est ce qui STC peut payer en juin. C'est peut-être pour cette raison-là que Ganga fait une refuse d'un détail. Si bien produire une facture, tu peux bien simple, tu peux produire une facture sur des bateaux, un cabin. White Oil, l'autre qui amène Black Oil, nous avons trouvé qui s'en a qui n'en tôt, qui s'en a qui n'en raison. Je dis à Rochi, qui prochain PNQ, pour PNQ le Métro Express. Moi, ce que je n'ai pas souhaité, en tout cas, je dis à lui, c'est que sa démission-là amène une division dans l'opposition. Ce serait pas dans l'intérêt public.